Discours de Fatma Samoura, diffamatoire d'après Sylvain Rabetzaboul. Le candidat Sylvain Rabetzaroun a qualifié de diffamatoire le discours de Fatma Samoura, représentante résidente des Nations Unies à Madagascar, lorsqu'elle s'est exprimée par rapport à la médiation initiée par les chefs d'église. Cette dernière avait déclaré dans son allocution qu'elle offrirait la totalité de son salaire aux chefs d'église si ces derniers parvenaient à résoudre la crise au terme de leur démarche. Oui, j'étais vraiment étonné, j'ai entendu ça la semaine dernière. J'ai attendu des réactions de la part des responsables à Madagascar, mais ils n'ont rien dit. J'étais quand même offusqué parce qu'on ne s'attaque pas aux dirigeants de l'Église dans ce pays. D'ailleurs, on ne peut pas faire ça nulle part ailleurs. Le pays va de travers en ce moment. Le problème, c'est que, vous savez, quand on ne se respecte pas, on ne respecte pas les autres, on ne vous respecte pas, c'est très naturel là. Comme j'ai dit, il y a des problèmes en ce moment dans ce pays. Le trafic de bois de rose continue de plus belle. L'exportation illicite de l'or écœure les gens. Et l'exportation des produits miniers s'élève à des milliards de dollars. Et le pays cherche 70 millions de dollars pour faire les élections. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce pays va de travers, comme j'ai dit. Et chez gens qui essaient de trouver des relations, qui pensent trouver des relations, ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Donc, quand on ne décide pas, les autres décident à notre place. Voilà, c'est tout.